Mesdames, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Un énième front aujourd'hui sur le pays de façon très atténuée. Il va nous apporter beaucoup de grisailles, des pluies faibles de 5 à 10 mm de précipitation avant l'arrivée de conditions anticycloniques qui vont donc s'étaler sur le pays au moins pour ces 3 prochains jours. Un temps relativement calme sur le pays, on va le voir dans quelques instants. Donc nous allons retrouver dès cet après-midi cette couverture nuageuse des Pyrénées en remontant jusqu'au nord-est avec des pluies faibles de 5 à 10 mm de précipitation, je vous l'ai dit. À l'arrière, retour de conditions anticycloniques avec un temps beaucoup plus calme et ensoleillé, quelques passages nuageux, quelques ondées possibles et le soleil qui domine autour de la Méditerranée avec le vent jusqu'à 80 km/h. Les températures en baisse, nous sommes 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison, 22 à Paris, 21 degrés du côté de Rennes, 19 seulement à Strasbourg, 14 degrés à Aurillac et jusqu'à 28 degrés en direction de la Corse. Ce soir, de moins en moins de précipitations, toujours de la grisaille des Pyrénées, du Pays Basque en remontant jusqu'au Grand Est, un ciel plus dégagé dans le nord-ouest ou encore autour de la Méditerranée. En matinée, alors on va retrouver beaucoup de nuages bas, de bandes brouillard, beaucoup de nébulosité donc sur le pays, des averses encore qui traîneront au pied des Pyrénées, également en direction de la Corse. Dans l'après-midi, c'est le soleil qui domine, mais on a également ces retours d'est dans l'est de la France avec quelques averses plus fréquentes en direction de la Corse, quelques ondées également au pied des Pyrénées, beaucoup de vent autour de la Méditerranée jusqu'à 70 km/h. Des températures un peu fraîches en matinée, 8 degrés à Alençon, c'est la minimale, 10 degrés à Reims et jusqu'à 18 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, enfin, ça grimpe. On approche les 25 degrés dans la capitale ainsi qu'à Strasbourg. 23 degrés à Dijon, 24 degrés du côté de Nantes ou encore le long de la Garonne et jusqu'à 28 degrés autour du golfe du Lion. Pour la suite, donc des températures qui seront de saison pour les journées de lundi, voire même légèrement au-dessus pour mardi. Avant une nouvelle baisse à partir de mercredi, on devrait de nouveau retrouver un temps très perturbé. Mais pour l'heure, on en profite. Le soleil domine lundi sur une grande partie du pays. Des averses encore très fréquentes dans le sud-est en direction de la Corse. Petites éclaircies autour du golfe du Lion. Une moyenne de 26 degrés sur le pays. Pour la journée de mardi, on retrouve à peu près la même configuration avec toujours ces averses orageuses se décalant vers le massif central. Et mercredi, arrivée donc de cette instabilité de nouveau par l'ouest, a confirmé la fiabilité est très limitée pour l'instant. Mais de nouveau donc des averses orageuses se décalant pour la journée de jeudi. Tout de suite le journal. Mesdames, messieurs, bonjour. Une énième perturbation sur le territoire. Celle-ci va nous apporter de la grisaille, des pluies faibles de 5 à 10 mm de précipitation à son passage. Et tout de suite après, nous allons retrouver des conditions anticycloniques. L'anticyclone des Açores qui va regonfler temporairement sur le pays, nous apportant du soleil et de la chaleur. Cet après-midi, donc, on retrouve ce front des Pyrénées en remontant jusqu'au nord-est, de la grisaille, des pluies faibles à l'arrière. Retour des éclaircies, quelques ondées possibles dans cette masse nuageuse. Et le soleil qui domine également autour de la Méditerranée avec des rafales jusqu'à 80 km/h au niveau du vent. Les températures 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison s'abaissent, notamment sur la moitié nord, 22 à Paris, 19 degrés à Bordeaux, 21 à Nantes, on aura 14 degrés à Aurillac et jusqu'à 28 degrés en direction de la Corse. Ce soir, de moins en moins de précipitations, mais toujours cette couverture nuageuse du Pays Basque en remontant jusqu'au nord-est. En matinée, on va retrouver les résidus de cette perturbation sous forme de nuages bas et de bandes brouillard sur une grande partie du pays. Encore des averses dans le sud-ouest. Autour de la Méditerranée, le soleil domine, quelques ondées également en direction de la Corse, mais dans l'après-midi, on aura quelques retours d'est en direction des Alpes, dans le sud-est ou encore au pied des Pyrénées. Le soleil va dominer partout ailleurs, le vent va encore souffler autour du golfe du Lion. Il fera un peu frais en matinée sur le nord avec 8 degrés du côté d'Alençon, 10 degrés à Reims et jusqu'à 18 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, enfin, ça grimpe, on reste quand même en dessous des normales de saison. 25 dans la capitale ainsi qu'à Strasbourg, 23 degrés à La Rochelle, 24 degrés le long de la Garonne jusqu'à 28 degrés à Montpellier. Pour la suite, les températures vont continuer à grimper jusqu'à mercredi. On va passer au-dessus des normales de saison et on va retrouver un temps calme sur une grande partie du pays, excepté dans le sud, avec des averses nombreuses dans le sud-est à surveiller. Et regardez, pour ces prochains jours, mardi, on garde encore ce beau soleil, mais dès mercredi, ça devient de nouveau instable, normalement par l'ouest. Très bel après-midi à tous.